Oriental en concert live au Connétable. Quoi, c'est pas Johnny, c'est Ali? C'est pas Ali, c'est Ali. Et Ali, tiens. Au fait, tu le connais d'où ce gars? Chut! Il est dans ton téléphone. Oh, désolé. Je vais pas pouvoir poursuivre le concert ce soir. Assieds-toi, assieds-toi. Ça va, ça va? Assieds-toi. Moi, c'est Alicia et elle, c'est ma copine, Héloïse. On adore tout ce que tu fais, c'est génial. On est fans. On avait réservé nos places super à l'avance hein, pour être sûr d'être bien placés. Est-ce que tu veux un verre à boire? Un verre à boire. Tiens, ça va te faire du bien. Et ça va mieux, toi, sinon? Oui, merci. Au fait, j'ai une clairose en lac. Une clairose en lac. Je pense qu'il a une sclérose en plaque. Oui, une clairose en lac. Bon. Bref, c'est une maladie qui me donne des difficultés pour bouger les doigts. Et puis, ça me provoque beaucoup de fatigue. Mais comment ça se fait? En fait, le problème se passe dans le système nerveux central d'Ali. Hein? En gros, son cerveau est sa moelle épinière. Ah ouais, ok. À ces endroits, les globules blancs vont aller... Les globules blancs? Oui, ce sont des cellules dans le sang qui défendent le corps contre les virus, les bactéries... Oui, enfin les maladies, quoi. Oui, et du coup, les globules blancs vont aller attaquer la gaine de myéline qui entoure les neurones, ce qui cause leur destruction. Oh. Donc, Ali a des neurones. Ah bah merci. Ils sont dans son cerveau et sa moelle épinière. Ces neurones sont entourés d'une gaine de myéline. Cette gaine de myéline va être attaquée par des globules blancs qui vont sortir du vaisseau sanguin et vont venir la détruire. Oui, c'est ça, t'as tout compris. Mais si ça se passe dans son dos, pourquoi il a du mal à bouger les doigts? Parce que ce sont les neurones dans la moelle épinière qui contrôlent tout le corps. Si ceux-ci sont endommagés, tous les mouvements du corps sont perturbés. Ah. Bon, et comment tu le soignes, la scientifique? Au fait, ça se guérit pas. Alors, mon médecin me donne des médicaments pour ralentir la progression de la maladie. Mais moi, je me soigne avec la musique. Tu veux dire, ça te fait du bien moral de jouer? En fait, quand Ali s'entraîne sur son instrument, il répète toujours les mêmes mouvements. Cette répétition permet de réparer la myéline. Et donc, ça diminue les symptômes de la sclérose en plaques. Bon, merci de m'avoir offert un verre, ça m'a bien reposé. Tu t'en vas déjà? Tu veux pas nous jouer une dernière chanson? Au mari. Bon, je jouerai bien au globule. Bon, bref. En fait, certains patients ont du mal à retrouver leurs mots. Ça fait partie des symptômes de la maladie. Chut, ça commence!
savais tout le mal que tu me fais. Oh globule, si tu pouvais, ma myéline, enfin laisser en paix.